pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Crusader Kings 2 avec toujours l'Empire latin. Un empire qui, vous vous rappelez de la situation, on avait écrasé encore une fois quelques musulmans, on commençait à s'étendre en Inde, mais il y a toujours également le problème des îles britanniques là qui nous échappent toujours là. Il va falloir que je règle ça parce que je vais pouvoir faire d'ici juillet, août, septembre, d'ici 3 mois une nouvelle guerre contre les Irlandais. Pour essayer de gratter un duché ou un comté de plus, mais... Le problème de l'Irlandais, c'est que vous voyez, Caspier est allié... Bon, il n'a pas eu un claim sur un royaume, mais il a toujours 6000 hommes. Il est toujours allié avec l'autre enquiquineur d'Écosse. Ça, j'adore les sauvegardes qui se font deux fois la suite. Alors qu'il ne s'est rien passé. Hein. Ça, c'est épique. Donc, je dis donc, il va falloir qu'on explose le roi d'Irlande. D'ici 2 mois. Il y a encore le duché de Mercia là. Enfin, le royaume de Mercia carrément qu'il a perdu, mais bon. Il a perdu le royaume, mais. Bon. Nous voyons une chose. Pacte avec. Pourquoi tu t'es allié? Mariage, d'accord. Oh, j'ai un fils, enfin. Et j'ai une fille. Bon, ça me fait encore 2 gosses. Une princesse et puis un prince. Espérons que lui, il sera pas maladif. Bien. Donc, on a bientôt on va pouvoir déclarer la guerre à l'Irlande. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Déclarer la guerre pour quelle raison? Osrage. Bon allez, on lui fait une guerre pour Osrage. Y a pas un gars qui. Ce n'est pas une question de jure, donc on va faire carrément un claim, enfin une question sur. On va quand même envoyer un. Une province qui n'est pas de jure dans notre empire. C'est mieux. Donc allez hop. Allez hop, on lève tout ce qu'on peut dans la région. Vous allez arrêter là s'il vous plaît. Arrêtez de vous plaindre s'il vous plaît. C'est un raccourci ici. Z comme raccourci. Un bon à savoir ça. Allez hop. Allez hop, go! On va essayer de se taper avec l'autre. Voilà, on commence à faire des guerres. C'est bien, ça, je connaissais pas le raccourci depuis longtemps que j'ai le jeu, pourtant maintenant je sais que c'est Z. Bon là, le guignol va réunir 10 000 hommes, vous allez voir. Quand même, là, on va éviter de prendre trop de dégâts tout de suite. Allez hop, on a déjà 3% score de guerre. On termine le siège de la petite province ici. Après, on envoie en renfort parce qu'il va régner les 7000 hommes avec les 3000, ce qui va lui faire 11000. 13000 hommes, ouf, ça va faire beaucoup quand même, je trouve. Ouais, je pense que je termine le siège. Est-ce que j'ai le temps de terminer le siège? C'est ça la grande question. Parce que l'autre là, il est déjà en train d'avancer. Est-ce que je prends le risque de terminer le siège? Ou non, je fonce directement là-haut. Non. Gigo, j'ai tombé. Je vais pas terminer le siège, sinon c'est une branlée que je vais prendre. Hommes, oh, je vous dis, déjà recrutement de commandants, j'en ai vraiment besoin là des commandants.
Et des bons, hein. 22. Ah oui, c'est carrément mieux, ouais. 18. Duc d'Estonie. Qu'en est-il que le duc d'Estonie soit sous mon contrôle direct? Bon, je vais faire une chose. Duché d'Estonie. Ok, c'est parce que t'es en guerre contre ton suzerain légitime, d'accord. Et t'es en train de la gagner ta guerre en plus, hein. Le con. Le Finlandais qui est tellement de naze qu'il va perdre la guerre contre l'Estonie. Ah, je vous jure, hein. Il y en a des fois. Ils donnent envie de pleurer, hein. Ils sont pitoyables. On va quand même pas se faire niquer. C'est pas possible de voir ça sérieux, bande de branleurs. Je ferais tous fusiller, moi personnellement. Pas possible de voir ça quand même. Bon, c'est bon, on a pris la province, c'est bon. C'est du Kluan Mikhnois. Ok. Ostrage, on va dire Ostrage, voilà. Les noms irlandais, écossais, celtes. On va oublier gentiment. Et on va juste se faciliter la tâche, d'accord? Voilà, nous là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de glandouiller, on va aller leur mettre à la tronche là. Si j'ai bientôt fini, bon, faut quand même encore le temps. 13 000 contre 9 000, ça devrait passer là. J'aimerais pas avoir perdu cette bataille là. Ah, je sais pas, j'ai vraiment l'armée des plots. Oui, je sais, je râle, mais bon, j'ai le droit de râler, voilà. C'est permis. Toi, t'es quoi toi donc? Vos oubliettes, allez go! 46% de la guerre là. Ils vont aller à Dublin? Oui, ils vont aller à Dublin. Bim! On les enfonce. Je pense que j'essaie d'assiéger Dublin rapidos là, histoire de lui prendre sa capitale et de lui faire. Coucou, je suis là. Plus 860 hommes. On convertit des hérétiques, voilà, on laisse convertir. On va essayer de piller encore un petit évêché là. Putain, paye les noms, regardez les noms. On va raser une ville. Et on va encore raser un château là. Voilà, c'est bon. Non, tu veux pas venir finalement? Regarde, j'arrive. Coucou. Il va ramener ses 4000 hommes là, donc ça va être 6000 contre 10 000. Ils vont se faire défoncer. Et pourquoi son armée était reformée avec moi? J'ai mis exprès des bons commandants. Et dès que j'ai refusé les armées, là, non, 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 vous avez fait de la merde. Putain, je vous jure, voilà, je comprends pourquoi est-ce que je suis niqué. Parce que j'ai mis des commandants de merde. Autre... Maîtriser... l'infanterie légère. Alors c'est complètement débile parce que j'ai de l'infanterie lourde dans mon armée. Voilà. On va regarder, on va déplacer les hommes là où on va les mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en mode religion. Bon, où qu'il est mon curton? Ici. Et voilà, et on va demander d'ailleurs une paix à notre...
Et on va dénommer Lost. Et le pape est mort? Oh, j'ai plus le chapelain de la cour d'ailleurs. On va nommer toi là, l'évêque de Constantinople. Où est-ce qu'il y a des provinces? Bah, où est-ce que j'ai mis? Bah, tu vas revenir ici. Faut vraiment pas que je fasse des dernières petites guerres pour bouffer les morceaux de sunnites. Hein. Sulamide, Sulamide. Ça passe à quelle vitesse et les mecs qui crèvent là. Romdir. Oh! Oh! C'est beau ça. Je vais pas le buter celui-là. Je veux dire, si je le bute, je vais peut-être pouvoir demander à son successeur de rejoindre mon royaume. Ouais, on va rire. Mais non, je veux! Je vais commencer un truc avec le premier là, celui qui a 19. Ça, on va se faire foutre. J'ai pas envie de me casser les pieds avec ça. Qui voudrait bien rejoindre mon complot? Toi, 6. Ok, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en plus utiliser notre maître espion là pour. Donc est-ce qu'on peut... On a combien de puissance pour le zigouiller lui? 34, 41, ça monte. Vraiment qu'on le... Que le zigouille pour essayer de récupérer les duchés. Hein. Enfin, toutes les provinces d'ailleurs. Allez, ce que je fais, c'est que je le zigouille. Je demande à son fils de... Enfin, faut que je le zigouille sans vraiment que ça soit remarqué. Hein. Le passage, ici, toi. Mais c'est quoi? Roi de York. Tu peux être mon vassal? Non, pourquoi? On va essayer de masser nos troupes et de lui mettre à la tronche. Ça récupère à York. Ça peut vraiment essayer de dépouiller l'Irlande après. Mais bon, faut vraiment, j'ai vraiment envie d'essayer de le tuer celui-là. Bon, je vais pas aller au maréchal. Non, mais le maréchal, c'est tout. Tiens, toi. Chef des Français qui se révoltent. Et moi je vais arrêter mes phrases, je vais plus commander d'armée.
trop dangereux ça pour mon assurance de vie quand on est une armée. Voilà. Maintenant qu'on est là. Il part en Écosse là. Genre, ouais, je vais cacher en Écosse. Bouhou bouhou. Allez, on défonce ça et après on s'arrêtera là. Dès qu'on a terminé cette guerre pour récupérer York. Femme est encore enceinte? Oh là là! Oh l'intrigue là, on est à 70% seulement. Oh! Toi 86% t'accepterais en plus? Tu vois pas un truc en plus, toi? Genre, je sais pas, je vais faire un truc. Eh bien, un truc qui va te plaire. La limite, ce que je ferais, c'est que ben, je demanderais au pape un claim sur ces deux gros titres. Hop, je ferais une guerre pour lui prendre ces deux gros titres. Et hop! Sayonara. Mais ce sera plus simple, j'aurais fait demander des titres au pape, demander au pape un claim sur ses titres. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire, ouais, je demanderai au pape. Puis j'ai même pas cassé le cul à faire le siège, j'ai explosé l'armée qui se trouve là. C'est bon, j'ai chopé là. Faire du chantage. Bon, 100%. Et voilà. C'est pas un truc que je fais qui pourrait améliorer mon opinion générale aux yeux du monde entier. Ah, j'ai expulsé un ordre religieux. Bon, et aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cet épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!